Bienvenue dans la vidéo des calligraphies hasardeuses. Salut internaute, dans un épisode précédent, il me restait trop de peintures dorées et noires. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais un peu de calligraphie? Alors c'est pas hyper évident de calligraphier à l'acrylique, j'ai d'ailleurs foiré une de mes calligraphies. Puis après je me suis dit, ah mais tiens, il me reste beaucoup de noir, et si je faisais des petits carrés pour venir y réécrire dedans? Comme ça, le noir, eh ben, il sera plus vite fini. Bon, puis je me suis dit que ça ferait joli aussi. Donc je sors mon blanco et c'est parti! Ah ouais, merde, je croyais que ça filmait. Bon alors, je sors mon tampon et c'est parti. C'est que des kanji qui représentent des animaux, alors dis-moi en commentaire ce que tu reconnais. Et si tu préfères les fonds dorés ou alors les fonds noirs. Ou alors les fonds dorés et noirs, puisque j'en ai un qui fait les deux du coup. J'ai noté tous les noms au dos des petits cartons et puis je vous mettrai ça en expo dans un bac. S'il y en a un qui vous fait plaisir, ma foi, ou alors j'en fais un jeu de mémoire géant. À voir.